d'Abidjan. Il porte dossier 6, Bansé Ibrahim. Oui, très bon joueur. Un joueur très influent, pardon, pour son équipe. Bon milieu de terrain, bon récupérateur. Il sait se projeter. Il a une belle frappe. Il peut marquer. C'est vraiment un très bon. C'est un peu spectaculaire, mais il s'est relevé tout de suite. Il me donne l'impression d'être vraiment revenu en forme. Ouais. Allez, Coré. Coré va provoquer Koudou. Koudou. Coré, le retrait. Oh, normalement, c'est un but. Normalement, pendant longtemps. Ah oui, ah oui. À la recherche de son premier but. À la recherche de Sinon. Il y a quand même cette touche technique supérieure à l'ensemble de son équipe. Et puis, ben, il est récompensé. Je dirais une légère domination du Stade. Ça fait peut-être un moment que j'avais dit qu'ils étaient beaucoup mieux. Et pourquoi pas une présence au second ballon. Allez, ils sont sur ce ballon, les joueurs du Stade, c'est Bansé, Bansé qui envoie le but de Bansé. Ibrahim, le troisième, l'ancien du Racing Club d'Abidjan, regardez, c'est un but, je dirais, d'anthologie, but. Bansé, il vient sur le ballon, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas le chercher? Il ne pousse pas sur ses jambes pour aller chercher ce ballon, mais c'est bien dosé. Mais Ouattara Abdoulaye. Oui, il reste plus de 33 minutes à disputer avec le temps additionnel, c'est possible. Camara Sidik qui a cédé sa place et le capitana Baligozo. Gazo. Ah, j'aurais souhaité que Sidik reste Kouyaté. Voici Kouyaté. La frappe! Un ballon. Finalement rattrapé par Chamou et Karaboué. C'est le 11e but concédé par le Racing Club d'Abidjan cette saison. Il y a de la nervosité. Diop aussi qui a fait un mauvais geste tout à l'heure. Et Bansé qui va essayer encore de lancer. Coré. Coré peut-être le deuxième but. Oui, le deuxième but. Ils sont au rendez-vous. Voilà, qui se trouve pour une fois sur son bon pied et dans l'axe. Il y a ce petit contrôle. Il lève la tête tout ça. S'il vous plaît, si la réalisation peut insister parce que je crois bien que c'est le joueur même du Stade d'Abidjan qui commet la faute. Bon, on va essayer avec ce ballon maintenant pour le Stade d'Abidjan. Il faut dire que c'est pas parce qu'un joueur va au sol qu'il a été mis au sol. Coré, le retrait. Il utilise de son expérience et de son expertise pour nous surprendre de loin. Ah oui. Il l'a envoyé. Bien vu, c'était bien vu. Alors, je suis pas sûr. Il y a énormément d'espace, surtout au milieu de terrain. Allez, on salue l'initiative de la Fédération Ivoirienne de Football de faire un championnat véritablement sur toute. Limite défensivement, quand même, techniquement, les joueurs du Stade, ils sont un peu limités. On a bouclé les 45 minutes réglementaires. Milieu offensif. Ça voudrait dire que Kensford va sortir. Le côté. Attention à ce ballon. Bansé, il peut se mettre en position de frappe. Le gardien avait anticipé. Capitaine. Stade d'Abidjan. Le tel gauche. Avec un Rousseau. Pour Diomandé Balamoussa. Diomandé. Et pour sortie des garçons qui feront plus tard la fierté du football ivoirien. Dosso Ibrahima, lui aussi, est passé par le Racing Club d'Abidjan. C'est lui qui, au match aller, avait permis au Stade d'Abidjan de marquer à deux reprises. Bachabi Mamoudou à gauche dans le 1 contre 1 face à Adiko. Il change le jeu qui apporte de la vitesse au ballon. On ne se retrouve pas forcément sur du terrain naturel qui, lui, est beaucoup plus. Stade entre du football ivoirien. Les organismes sont mis en rude épreuve et c'est tout logiquement que Kouyaté Benguel a ce coup de moins bien. Attends, Koulibaly. Cette rencontre avec cette tête et ça passe à journée Ligue 1 Côte d'Ivoire, Stade Robert Champro. Vous êtes sur les antennes de la RT1 qui produit le championnat depuis belle lurette et qui a produit la CAN et qui va être là pour les équipes nationales béninoises et également du Burkina Faso pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.
C'est déjà en janvier 2025. Ouais. C'est déjà arrivé. Allez, avec ce contrôle. Petite. Pas grand chose. Pas grand chose. Ça manquait. Les mains. Il a perdu le contrôle du ballon. Il est précipité. Oui, 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 parce qu'il était. En plus, qu'il était tout seul. Peut-être en voulant jouer très vite. Mettre la balle tout de suite pour son collègue. Le ballon a été changé. Voilà. Allez, on peut repartir en cette 17e minute. Avec une belle animation. Une qualité technique, c'est bien voilà, d'aller vite, mais bien maîtriser son geste. Ballon toujours dans les pieds des Stadis qui sont presque dans toutes les récupérations du milieu du terrain avec le. C'est qu'on puisse toujours continuer à harceler. Parce que derrière, après, à partir du moment où on ne peut plus sortir sur les joueurs de la structure du bas, derrière, ils peuvent imposer leur jeu. Donc nous, il faut qu'on soit capable toujours de continuer à harceler. Et après, gagner les seconds ballons parce qu'ils vont après, ils vont jouer sur des ballons longs. Avec Bandama Junior qui a vu, il a vu Kanté Abdoulaye, Kanté, oh là, la feinte de Kanté, mais la défense du Stade d'Abidjan reste costaud et peut même renoncer avec Akouyer Tebben qui a changé de couloir. Il a fait la. Il peut toucher par le gardien. Si. Je marquais un peu pour son plaisir. J'ai marqué Bogo Silva. Attention les stadistes avec deux. Le joueur des fromagers qui sait de partir. C'est une tête de renvoi avec Soumaïla Chérif et le stade d'Abidjan, Kassim. Traoré Adamant, le défenseur central qui a joué avec Bamba Drissa, le gardien. Bansi Ibrahim dans le milieu du terrain. Certainement, ils ont encore cette force, cette énergie d'aller dynamiser. Ils sont contents du geste de leur. Joueur, attention, Dosso Ibrahima. Pensez. Change de côté. Le stade d'Abidjan va provoquer. On trouve. Ensuite, derrière, il y a eu cette contre-attaque. Malheureusement, Djerassouba Kader n'a pas eu la force et la vivacité dans les pieds pour reprendre ce ballon qui était pourtant bien amené. Le stade d'Abidjan, encore à l'abordage sur le côté. Ralenti pour canaliser l'engouement, l'envie. Et la dextérité du banc de touche, ce qui contamine les garçons sur la pelouse. Babacar Gueye pour le stade d'Abidjan. Le stade de Soumaïla